Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens, frères chemio, haïtiens conséquents, mieux comment nous y est. M'espérez nous en forme, m'espérez n'a pas kembe malgré mauvaise nouvelle, malgré situation pays d'Haïti a vint plus compliqué chaque jour, mais nous avons obligation pour nous camper tête raide, pour nous camper jambe, pour nous continuer mander départ Ariel Henry, pour nous continuer mobilisation, fuck système non, fuck l'écraser. Non, moment là, Ariel Henry, li gon volume avantage ak opportunité la créé pour communauté internationale là, pour ensemble de pays occidentaux, c'est bagay tête chargée. Nous-mêmes, Haïti, c'est pays nous pas ka développer pays avec richesse nous gagne. Mais gouvernement criminel ça qui là, yo continue à bay blanc yo avantage, yo continue à faire tout le système nan et créer conditions pour insécurité et instabilité régner dans le pays d'Haïti. Ou pral gagne tout détail yo là, puisque à plusieurs reprises, gagne équipe Bill Clinton nan qui yo même yo débarqué en Haïti. Yo voye expert yo en Haïti, yo voye intermédiaire yo en Haïti, vini nan différents sites côté yo genye gros entreprises étrangères yo qui paraît pour venir exploiter mine nous, venir exploiter ressources naturelles nous genye. Eh bien, ancien candidat au Sénat ça, li pa ka kembe encore, li lage tout détail yo nan boti mamite ou pral genye toute information yo sans retirer ni mette, et c'est une occasion en plus pour nous renforcer le mouvement révolution Guy Philippe là, parce que si nous voulons libérer Haïti tout bon vrai, gen moun ki pa dwe là dans pays, gen relation nous gen avec des séries de l'autre pays, faut qu'yo redéfini. Faut qu'yo redéfini parce que nous pas ka continuer avec pays d'Haïti, jan la pralé à là. BESAP yo mobilisé pirède. C'est kounya BESAP en bandition. Coalition BESAP dans 10 départements paysans, rencontre, réunion, concertation continue à faire parce que 7 février, son bataille que nous pas privé mener pour déchouquer Ariel Henry, mais ça pas vrai dire bataille l'en fini, ça pas vrai dire Ariel gagne bataille. Eh bien, gros compatriotes, yon garçon voyant, qui lui-même toujours paré pour camper avec BESAP, et 7 février qui te débarqué dans Port-au-Prince avec renfort pour agent BESAP, eh bien, en pile moun pense le te mouri. Pendant journée 7 février, eh bien, li retourne là, nous pral saisit de comment nous sauver de justesse. En bas, mes gang Ariel mette dans la rue pour touye peuple. Et ou pral konnen ki sa BESAP yo même yo genye nan moment là comme prévision, comme perspective pour continuer bataille, pour continuer mobilisation par bon côté peuple haïtien. Et nous genye ancien premier ministre Claude Joseph qui lui-même et il fait gros déclaration et nous connaissons Claude Joseph, Moïse Jean-Charles, Guy Philippe, yo décidé de mettre tête ensemble puisque pis c'est gars et pas qui met, on comprend? Si chaque monde n'a pas fait affaire par yo, la difficile pour yo bail résultat, et bien dans moment là, c'est coalition, c'est tête ensemble, c'est solidarité liée par bon côté acteurs politiques. Mais faut que moi dis nous gagne une nouvelle qui tombe dans dossier Kenya. Gen gros nouvelle qui tombe là et nous connaît 13 à 14 février qui sont passé yo et bien te gen gros réunion qui t'a fait et dans Washington gen gros rencontre qui fait dans New York et côté que gen délégation qui sorti dans pays Kenya gen représentant gouvernement américain qui était là gen représentant l'état haïtien qui était là et bien suite avec réunion qui fait yo avec dernière planification yo et bien force multinationale, déploiement policier kenyan yo, eh bien, li pa pour longtemps. Pa bon côté autorité haïtienne yo, yo gen on date, mais yo pa mette date la officielle. Autorité kenyan yo gen date, autorité américaine yo gen date, puisque c'est yo trois planifié courant sous le peuple haïtien. Donc, pa bon côté gouvernement, rien pour qu'on dit sous déclaration officielle yo. Mais dernière information nous apprenons, il y a un inspecteur chef dans la police Kenya
qui te fait partie de délégation dans Washington pour venir participer dans rencontre sur opération sécuritaire yo, eh bien yo découvri que inspecteur Walter Nyamato Nyakeya eh bien li mouri dans chambre hôtel Litea dans pays États-Unis sous tout réseau a et gagne commentaire gagne moun ki di et zastet yo commencé à travailler yo commencé casser cou et comploter yo aisa yo eh bien gagne yon autorité dans force de police kenyan nan ki li même li fait rwel pour pays sans chapeau donc l'important pour bataille politique là pour continuer mener avec peuple sous béton. L'important pour continuer mouvement mobilisation yo. L'important pour nous bailler une réponse à pouvoir criminel à tout faire qu'il a. C'est dans ce ça gagné ancien premier ministre Claude Joseph qui lui-même c'est un gros potori garçon qui décide li mette pied la terre là pour dire Ariel la pied pour dire Ariel ou pas karete parti politique né reprendre yo décide là faut Ariel en aller. Et ben Claude Joseph li parle. Pour Claude Joseph Ariel pas rien, Ariel pas un pipe tabac même. Question Ariel occupé primature là c'est illégal. Question nèg yo mette moun nan palais national, Joseph Pierre Louis nan palais national c'est illégal. Qui ça parti politique de gagner nan moment la nan jakout li pour déchouquer Ariel comment ça pral fait etc. En nous tande ki sa Claude Joseph li même li tabay comme explication. Désormais nan primature nan palais national ak nan ministère c'est des espaces qui occupés illégalement par Ariel Henry qui sont ancien premier ministre de facto et ensemble de ministres. Donc peuple haïtien définitivement vli à travers nouvelle étape sa nan mobilisation hein, pour libérer espace sa yo pacifiquement. De libérer espace sa yo qui occupé illégalement, justement, qui jan, comment nous comptez libérer espace sa yo? Bon, écoutez, peuple haïtien li souverain, ou capable de remarquer 5, 6, 7, c'est tout pays a qui était levé, campé, pour yon te dit Ariel Henry, c'est où te siyen un document publié dans le Moniteur au 17 février au Papa encore. Donc comme Ariel Henry voulait accrocher à tout prix à pouvoir un peuple haïtien hein, comme un seul homme dans tout pays à partir de jeudi à mobilisation générale lancée pour libérer espace ça. Libérer espace ça pacifiquement parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Est-ce que Guétan gagne un plan de l'après-déport du premier ministre Ariel Henry? Est-ce qu'au niveau de l'opposition, nous Guétan mettons d'accord sur qui Jean nous prêle assurer transition après le déport du premier ministre? Je crois qu'on est capable de remarquer qu'il y a une véritable mise en commun. Il y a une coalition des regroupements politiques qui gagne un collectif 30 janvier, qui gagne un front uni, qui gagne un ensemble de l'autre structure et regroupement politique. Il y a une autre plateforme politique, résistance démocratique, qui est le RED, qui est là-dedans un ensemble d'organisations politiques qui travaillent sur différentes alternatives. Je ne dis pas que nous avons une panne alternative. Nous croyons, nous-mêmes, dans l'aide et dans la coalition, bien dans le RED, nous devons gagner un exécutif bicéphale qui répond évidemment à l'aide et puis l'esprit constitution. Nous croyons qu'après 30 mois, M. Ariel Henry passé sous pouvoir, résultats catastrophiques sont un désastre. C'est 300 000 personnes qui sont déplacés. En bas, on est capable de dire, en bas, j'ai gouvernement de façon complice. C'est 5 000 personnes dans la seule année 2023 qui assassinés. Mais l'année, mois janvier 2024, là, c'est moi qui suis violent depuis 10 dernières années. Yo. Donc, c'est plus que 5 millions de personnes qui ne sont pas capables de manger. Donc, c'est une situation, et en plus, au gouvernement, au Ariel qui est dans tête pouvoir, pour contre-lui, comme celle de Gondé, comme celle de Maître et Seigneur. Donc, c'est une véritable dictature. Et où est comment M. Ariel Henry a instrumentalisé la justice à des fins politiques, politiciennes. Donc, et à la population haïtienne, appel l'a lancé. Désormais, faut n'ont pas quitté pays à basculer dans la dictature. Donc, c'est nous-mêmes qui pour camper
c'est nous-mêmes qui pour mobiliser pour nous bailler une réponse. Deuxième phase de mobilisation, hein, il n'y a pas de date. Seule date qui gagne, c'est là nous libérer espace pour voir l'État de monde qui occupe illégalement. Alors, donc c'est extrêmement important. Pour nous capables de finir, je dis là, si le Premier ministre Ariel Henry a démissionné, qui s'est capable de passer dans le pays? Bon, écoutez, les forces sociales et les forces politiques, elles sont là, elles sont présentes. Il y a déjà travail sur l'alternative là déjà. Donc l'alternative est là. L'alternative est là. Il n'y a pas d'improvisation pour le faire. Et en plus, il faut dire que 2024, pas 2004, 2004 nous songeait, et en pile monde qui est dans la bataille politique songeait, il dit, serait théorité un bon matin, il a imposé une solution sur yo. Heureusement, force politique, yo constamment en réunion pour être capable de définir, et de fait, il a déjà défini une nouvelle alternative. Il y a plusieurs regroupements qui font ça. Mm-hmm. Mais ça qui arrive aujourd'hui, et appelle ça, c'est pour, moi fait déjà, pour les amis qui sont dans la communauté internationale. Je pense que, par exemple, la diplomatie française est du mauvais côté de l'histoire. La diplomatie américaine est du mauvais côté de l'histoire. Mm-hmm. La diplomatie canadienne est du mauvais côté de l'histoire. Les nous choisis, par exemple, supporter un dictateur, les nous choisis supporter un premier ancien premier ministre qui décide véritablement réprimer dans le sang des manifestations antigouvernementales, des opposants qui décident instrumentaliser la justice, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Alors, donc je vous invite à supporter le peuple haïtien. Voilà. Voilà, et nous tendez et ancien premier ministre Claude Joseph. Ça, c'est position pâle. Mais quoi, Claude Joseph toujours a dit, et on j'aime qu'à finir comprendre. Yo pral déchouquer Ariel dans primature de manière pacifique. Yo pral chercher Ariel la Kaili dans primature de manière pacifique. Comme si yo pas quoi j'aime tirer leçon. C'est comme si moun sa yo qui a mené population, hein? C'est des hommes politiques, yo érigé tête en leader politique, etc. Yo pas quoi j'aime tirer leçon. Ariel pas vinn dans grien dans. Ariel pas vinn dans tête lang avec nèg. Ariel pas quitté de manière pacifique aucun moun mette le dehors sous pouvoir. D'ailleurs 7 février, peuple t'a manifesté pacifiquement. Yo t'a manifesté avec branche bois yo nan men yo, qui ça ne dewe Ariel fait? Li passe l'ordre avec escadron la mol, avec machine la mol pour assassiner population, assassiner agent Bessap. Pour nous pral dim, nous pral chercher Ariel dans primature de manière pacifique. Eh bien Ariel ça lui même, j'ai égaré lié. Ariel ça lui même son coco bélier. Si Ariel te vle pour aller de manière pacifique, depuis les 10 départements ont été campés, Ariel t'a promis démission, li pralé. Ariel joune jodi, c'est dans laisser frapper le besoin rentrer avec population. C'est dans trop que comme li vle rentrer avec peuple haïtien, pas rien pacifique qui ka fait avec Ariel Henry. Pas rien de pacifique qui ka fait avec Ariel Henry. Si nous parlons de manière pacifique pour Ariel aller, soit nous tenons Ariel décider pour l'aller, l'y aller, ou bien l'international nous dit qu'il n'est pas capable avec Ariel encore, il a la gueule pour Ariel ramasser Bakaklan pour l'aller. Si nous ne parlons pas, nous prenons chercher Ariel, sinon nous sommes sous bluff, nous sommes sous maniguette. Sinon c'est sous foule et nous parce que si nous prenons retirer Ariel dans la primature de manière pacifique, ce n'est pas possible, le pape jamais fait vrai. Le pape jamais fait. Parce que si, jounen jodi an, Claude Joseph, li te kompren bagay lan te ka fèt de manière pacifique, ou nan la ou yo wè koman nèg yo bombade ou a gaz, ou wè koman nèg yo atake ou a gaz, ou wè koman nèg yo ap tire a bal réel sou manifestant yo. Donc ki sa ka fèt de manière pacifique? Ariel gon bra, li gon bra armé. Ariel gon bra armé la utilize nan moment la. Contre manifestants, yo, contre peuple haïtien, contre moun qui dit que yo pa ka continuer à vivre dans la crasse, dans la misère, dans l'insécurité, ça, qui a demandé plus bon condition la vie, qui a demandé sécurité, qui a demandé stabilité, nous, ouais, j'en yo attaqué yo. Donc, on yon continue à parler de bagay pacifique. Si Ariel te vle fon bagay pacifique avec opposant politique li yo, depuis le gen concertation, gen négociation, Ariel t'a dit bon ok, pas de problème, m'a pas dirigé vre, m'a pas kabay résultat. On nous garde comment nous kamito exécutif bicéphale. Ariel t'a choisi koube, t'a transcendé pour le dire pas de problème, n'a pas bon président ou premier ministre.
Pas de problème, et comme c'est moi qui n'ai pas de résultat depuis plus que 30 mois, bon malé, comme nous-mêmes, nous avons une alternative qui est viable, fais-le, viens avec elle. Ça, c'est si c'était pays nègre que tu as pensé. Ça, c'est dans le cas où Ariel n'a pas de bonne mission, elle est venue faire, pas de bonne mission, elle est venue exécuter, pas de bonne feuille de route devant, qu'elle t'a assuré qu'elle est là pour l'exécuter. Ariel n'a pas venu faire l'autre bagaille. Living fait job international là. Living fait job communauté internationale là. Qui ça bagaille là, les compatriotes haïtiens fraîchement yo. Ou même cap garder ou même cap tendre l'ouvrir oreille pour comprendre pour tendre. Est-ce que ça qu'on arrive déjà pour poser cette question pour dire ça fait payant, ça fait insécurité à au lieu de baisser, c'est augmenter l'augmenter. Ça fait pas jamais gagner. Aucune action qui pose pour arriver, gérer ou bien freiner trafic d'armes et munitions dans le pays. Ça fait réellement États-Unis qui montrent vraiment cœur, les soucis, ça qui a passé en Haïti, il y a des problèmes, il domine le livre l'aide. Ça fait États-Unis pas gérer question trafic munitions, trafic d'armes depuis la Kaili pour le baron coup mais tout bon. Ça fait journée aujourd'hui, moun sa yo yo soi-disant. Yo dou yo se zanmi Haïti. Yo dou yo vle ba Haïti en coûte. Mais yo toujours dou yo paré pour yo investi des millions de dollars. Alors que yo sanctionne des séries de moun yo di qui a financé gang, qui a financé insécurité, qui a fait ceci, qui a fait cela. Joune jodi yo, ensemble de formation yo gen sou moun sa yo pas ka public. Pour yo di mais sou base telle information gen m'te sanctionné tel, m'te sanctionné tel. Et par rapport avec situation ça, mais qui ça nous pral fè? Parce que moun sa yo gon volume bien la kayo, yo gon volume million yo serré nan bank américain, nan bank canadien, nan bank français. Qui sa l'argent sa yo, qui sa bagay sa yo ka utile journée jodi an avec l'état haïtien avec peuple haïtien. Moi même vle nous poser bonne question sa yo pour nous comprendre que l'or nèg sa yo, l'or pays soi-disant zanmi nou sa yo, yo di ap aide nous, yo di yo pare pour aider nous. Pa gen aide vrai. Parce que si tu as gagné des fois que nous avons commencé à voir les résultats, les gens ont participé à créer l'insécurité. Ils ont participé à alimenter la violence, à alimenter la gang. Non? Parce que ils ont choisi pour ces petits groupes qui corrompu, un petit groupe criminel avec veste, un petit groupe criminel avec cravate, ils ont téléguidé. Un petit groupe qui a manipulé, c'est toujours les gens qui ont choisi pour mettre dans la tête l'État, pour gagner comme dirigeant, comme autorité. Parce que journée aujourd'hui, si nous avons moun crédible, si nous avons moun colonne vertébrale, un ensemble de décisions qu'a prend là, c'est pas eux qui prend. Un ensemble de bagay communauté internationale l'a imposé à Haïti, c'est pas la jambe qui a fait. Qui ça nous voit qui a passé dans moment dans monde là? Et surtout dans le continent africain. Il y a un paquet de pays qui était sous domination l'Occident. Qui décide de lever, qui souke koyo, qui dit non, yon pas continue à sa pays occidentaux yon a fait yon subi. Récemment, nous sommes trouvé une démonstration force qui fait dans le pays Congo. Kote Congo le yon, yon débarqué devant l'ambassade États-Unis, yon débarqué devant l'ambassade en Angleterre, yon débarqué devant l'ambassade la France. Yo al bayon ultimatum, yo al bayon date, yo al bayon on date limite. Si moun sa yo pas suspendre fait ingérence, si yo pas suspendre prendre décision pour yo, eh bien yo a vin chercher yo pour yo mettre yo dehors, pour yo shooter bouda yo pour yo mettre yo dehors. Lorsque diplomate étranger kon limite tout, kon job ou kon travail yo vin faire dans pays ya. Moun yo aller devant ambassadeur yo manifester. Yo allé devant bureau Nations Unies, yo boule machine. Yo voyon signal, yo voyon réponse aller. Pour qui ça? Pour qui ça journée aujourd'hui en des séries de pays africains yo décidé lever campé parce que yo dit domination l'Occident, faut que li fini. Faut que bagay ça campé parce que si ou dou ses amis, moi se voit la caille moi. Ou vini ou domine, non seulement domine, moi chercher à pauvrir.
Ou a vini ou vini ou puise tout ressous m'gen la kaye mwen. Ou a vole ressous naturel mwen. Ou a vole l'homme. Ou a vole uranium mwen. Ou a vole iridium mwen. Ou a vole bauxite mwen. Ou a vole diamant mwen. Ou pral investi nan peyi ou. Ou pral développer peyi ou. Et kote ou pran lan, peyi sa se instabilité. Peyi sa se grand goût. Peyi sa se famine. Peyi sa se la guerre. Peyi sa se terroriste. Gros bagay ki pa mache. C'est que ça en pile froid que pays occidentaux ont utilisé. Que de série de gros industriels, de gros géants ont utilisé pour venir implanter entreprise, pour venir mettre entreprise, pour faire l'argent, vous comprenez, pour venir exploiter ressources naturelles pays ça yo et puis après pour aller les pays ça yo pays pauvre. Ou pas je me poser cette question pour qu'on est sous qui base. Sous qui base qui indice monsieur et dame ça utilisé qui est-ce qui ba autorisation ça pendant y a appauvri des séries de pays en Afrique pendant y a appauvri de séries de pays et puis pays ça yo relé au pays pauvre là c'est en battel nan le volé l'or c'est en battel nan le volé uranium c'est en battel nan le volé iridium nan le prend bauxite nan le prend aluminium nan puiser pétrole et puis pays ça yo pays yo pauvre. Est-ce que ça arrive ou pour poser tête aux questions ça? Mais au pays, l'on prend Mali, l'on prend Niger. Niger tout récemment là, qui flanquait la France de qui shootait derrière Emmanuel Macron. C'est plus que 7000 tonnes d'uranium chaque année, oui. Nèg yo exploité au Niger. Et puis rentrer la France avec pour aller faire et comprendre pour aller mettre dans entreprise et militaire yo pour aller faire zam pour aller faire avion militaire hélicoptère de combat paquet de bagaille pour aller faire et puis l'on vire jour regarder Niger yo rele Niger pays pauvre yo du Niger son pays pauvre lié pour qui ça son pays pauvre parce que yo vini yo créé insécurité. Yo créé instabilité, Niger en proie de violence, gen groupe terroriste, gen affrontement, gen guerre civile, population en grand goût alors que yo gen ressources en bataille qui évalue à des milliards de dollars. Est-ce que nous comprenons politique là? Est-ce que nous ouais politique là? Je ne jodi a insécurité en Haïti à cheval. Gen des séries de zones là ou regarder incontournablement ou après haïtien pas carré là dedans yo c'est foyer gang c'est gang c'est territoire perdu etc etc mais États-Unis montre même volonté hein. Même gens États-Unis la France montre même volonté pour aider des Mali Burkina Faso Niger Congo Tchad c'est même volonté à montrer au gain pour aider Haïti oui et puis nous pas ka faire rien pas jambe sauter l'arrivé là rien pas régler m'bral permettre nous tendre m'bral faire nous tendre ancien candidat pour poste sénateur dans pays d'Haïti Guibert Barthélémy docteur Guibert lui a expliqué expérience li fait avec yon équipe qui était sous l'obédience Bill Clinton, Hillary Clinton yo, qui besoin vin mette entreprise en Haïti, qui besoin passer gros contrat d'exploitation dans le pays ya, pour yo vin faire l'argent, pour yo vin voler ressources naturelles nou yo. Et jounen jodi on pral comprendre. Gen des séries de zones ou pral tande là, qui gen gros groupe gang ka ferraille la dedans, ou pral vin faire lien et ou pral comprendre que bagay sa al passé. Gen gi sou wash. Nèg yo méchant. An nou tande avec moi explication Guibert lui-même li pral bay nan dossier si la. Et moi-même particulièrement, moi t'ai candidat au Sénat dans le département Grand Est. Moi gen un collègue dame Marie. Il relé mon samedi, il dit donc là, bon réunion, il invité me la pleine. On est en cours par rapport à Jean-Moi Bagay, il m'a rien mon à la réunion. Mon qui invité n'a pas connu, on parler de il dit pas un problème venir avoir. On dit qui est-ce qu'a la réunion. Il dit que il y a des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements qu'a là.
groupe ça, son groupe qui gagne en tête, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry, ils ont passé par un consortium à Madrid pour ne pas faire ou paraître propre. Ils ont besoin de rencontrer des candidats parce qu'ils ont un projet de 50 milliards de dollars sur Haïti pour le passer dans le Parlement. Ils ont financé les candidats avant l'élection pour y arriver. Et ils ont dit, l'offre est arrivée, c'est là encore qu'ils ont financé parce que votre projet, ça, c'est dans le Parlement pour le passer. Moi, je dis, monsieur, pas un problème. Mal la réunion. Les gens sont garçons, pas un côté. Le monde qui t'a dirigé la réunion, il doit attendre maintenant, c'est un ingénieur. Monsieur dépose le laptop, monsieur fait projection. Aïe, papa, il a dit, c'est un petit gros bénéfice que je tire le fait que je suis candidat. Monsieur montre sur l'écran, et il y a l'autre ingénieur à Madrid qui était en lien avec lui, en liaison. Et il montre sur Tito Mazo. Prend toute chaîne de maintenant, il a pris Saint-Marc, et d'où il a montré toute étude qui fait sur Gypsum. Oui. Deuxièmement, il a projeté côté gagnant source de pétrole. Et deux autres projets qui étaient plus importants pour eux, c'était d'ailleurs Domantis en l'Alembert de Port-au-Prince, côté de la Thaïlande, avec en bas Karadu. Donc, côté où tout le monde, groupe 4, Samarouzo, a fait des ordres, etc. Tout le monde, ce sont des sentinelles. Il faut nous rappeler que le docteur Mathurin, avant sa mort, il dit même si Haïti a fait tout côté, zone en bas, ça, son côté pour Haïti, par exemple, quitter. Les affaires étaient sales, comme ça, oui. Troisième magasin, il a montré projection l'or dans la zone plateau central, aller dans le nord, les zones qui gagnent. Mais il te montre, ça va de là, il te montre pour faire projection, il fait cartographie fait. Il te montre qui côté qui gagne bauxite, qui gagne aluminium, donc il y a autre chose. Ça, c'est un. Deuxième bagaille. Il y a un monde dans le pays qui était très proche de Népréval, qui était premier ministre, que tout le monde dépensait que tu n'es pas le candidat à la présidence. Brusquement, il n'est pas candidat à la présidence de Népréval, c'était le professeur Jacques-Édouard. Merci. Maintenant, information que moi-même, j'ai gagné. Sous gouvernement, ça. C'est un groupe d'Afrique du Sud qui t'a fait rentrer à Haïti. Il fait étude. Les rapports, ça a fini préparé. Ils ont fini passer dans tout le département du pays. Ils ont préparé le rapport. Ils ont présenté le rapport au Palais national. Le président Préval, premier bar, il dit, monsieur. Il dit, monsieur, nous ne pouvons pas faire 5 ans. Je ne vais pas rentrer dans le dossier. Parce que vous avez porté la cartographie des ressources minières. Et ça qui a attiré l'attention là-dedans, vous avez travaillé sur le côté uranium avec iridium. Et il y a un monde qui te travaille dans l'équipe ça. Chaque fois qu'elle rentre dans Haïti pour le Canada, elle passe par les États-Unis, il y a toujours Campbell dans l'aéroport pour interroger. Parce que elle connaît tout détail. Pendant le pays, il y a un personnage, un garçon génol, c'est pas docteur Vic Saman qui est sorti au CAE. Il est aveugle, il a 80. Non, mec Nord-Ouest. Mec Nord-Ouest, qui a 83. Oui, il est entré en 86. Dans le pays, il était candidat à la présidence. Et puis, il a eu information. Il a dit, mais tout dit là pour nous connaître l'étape bayo compte goutte. Voilà. Et puis il dit que donnez-moi le pays et je vous donnerai l'information. Donnez-moi le pays. Il dit non, donnez-moi la présidence. Je vous donnerai les informations. Et puis il m'attendait sur un radio sœur et puis il dit que pendant deuxième bloc là, t'es dû. Et puis il était journaliste. Pourquoi on est dans tout ça n'a pas passé là? Nous avons 4 millions mon emploi en moins d'un an et pas bayer la charité. Non, emploi à côté que vie mon an qui dépend de lui. Mais journaliste t'a demandé, mais qui côté n'a pas fait bayer ça? Monsieur reprend les mêmes données, la baille toutes données, ça yo, que uranium, iridium, etc. Il dit que les doctorat en économie de développement, il y a un petit qui est ingénieur pétrolier qui travaille en Thaïlande. Et puis, c'est le monsieur dit que, je dis journaliste, ou pas qu'on ait 1 tonne iridium là, et 40 milliards de dollars, là, en grain de tonne. Hein? Donc, il faut nous comprendre que nous sommes pays qui prend tout dans un complot international. Et pour donc là, comme ça, trop loin, qu'on y a là, nous allons comprendre pourquoi ça, docteur Mathieu est mouru, on descend le droit sur ça. Non, non, c'est pour continuer à parler parce que je ne suis pas tout à fait d'accord même avec Ted Sayo. Bito, t'as dit tout net. Ah, ok. Maintenant, ça qui attire attention, c'est le journaliste qui a demandé, docteur, là. Pour qui ça, c'est où gagne information ça, yo, quand on joigne yo. C'est là, il te dit, tout ça, Mabdoula, document écrit, bio de mine gagne yo. Donc, et monde qui passe dans le haut niveau de l'État, yo gagne information yo. Ça pral attirer attention, c'est parce que yo dit qu'on groupe qui était sur l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est un pays qui a un pile uranium et parce que la deuxième fois, on dit ça, que sur l'Afrique du Sud, là, on te dit que depuis sous qui prise sous Préval, que tu as un groupe sud-africain qui était rentré, et il se trouve que la motte a fait un groupe spécialiste sud-africain est entré, vient montrer qui côté qui gagnait type de
minerais ça. Alors ça pas pas continuer quoi. Bah connaissez parce que pas de balle bon information, si n'est pas de compétent, est-ce que ça t'a pris trop de temps, mais tu gagné on le groupe de spécialistes sud-africains qui était rentré sous la mode. D'accord. Merci. Mm-hmm. Non, t'as... Non. Excusez-moi. C'est parce que docteur Chile était effleuré question hein. Mm-hmm. Moi-même il y a une question à me poser. À part de mauvaise foi, manque de nationalisme, sentiment d'adida patrie, dit s'il d'avait dit que en pile dirigeant nous gagné. C'est la grande question, quel est l'intérêt de la communauté internationale pour yo encourager de dirigeants entretenir peuple haïtien dans sa lié là aujourd'hui parce que politique là pas gain fait cadeau tout. Si yo choisi par exemple, si yo te choisi, yo dit que c'est Michel Joseph Martelly qui a fait plus bon président face à Milan Maninga, yo imposé là. Yo te choisi c'est Jovenel Moïse pour yo même qui t'a fait plus bon président pour retirer Haïti dans sa lié là, yo imposé là. Et aujourd'hui yo même encore yo choisi ensemble avec collègue yo dit que bon Jovenel pas doit continuer yo fait et là yo fin fait yo dit que meilleur citoyen yo dit Haïti gagne comme plus bon patriote qui ca aider Haïti c'est Ariel Henry. Maintenant yo bon intérêt, maintenant faut d'arrêter camper en face de intérêt ça yo. Quel est l'intérêt de l'international et quel est l'intérêt de gros monde ça yo qui accaparé qui pour moi même tant que Colo te dit son poche c'est l'assassinat de Jovenel c'est à la fois un coup d'état à l'interne. Donc, qui mette dans tête pays à un président fictif avec un premier ministre président tout. Donc là, on a analysé deux questions sérieuses et puis on a gardé tout le monde qui était prend la rue yo. Pendant 2-3 ans. Ce Jovenel qui a parlé de changement système qui là, il pas bon, il ceci, il cela. Qui intérêt ou bien qui patron qui exige qu'on y a après la mort de Jovenel, il faut que yo chita avec Ariel pour yo faire 11 septembre et puis pour yo faire piquer devant. Voilà, là nous avons une idée. Là, nous avons une idée de sa table bio. Nous avons une idée de et de sa communauté internationale, sa l'Occident, sa pays États-Unis, à planifier sous le peuple haïtien. Deux questions, ça, et docteur Guibé a posé là, c'est deux questions fondamentales. Ou pas besoin d'un pouvoir, pas besoin de bataille pour pouvoir, pour poser cette question ça et pour chercher réponse. Qui intérêt communauté internationale gagné pour mettre des dirigeants sous pouvoir, pour choisir des séries de monde et moun yo choisi yo. En pile fois, c'est ça qui pipa bon yo, c'est ça qui pipa kabay résultat pour kembe Haïti dans situation li là. Et qui intérêt journée jodi an là yo gagné pour yo supporter Ariel Henry sous pouvoir? Qui intérêt yo gagné? Qui intérêt communauté internationale la gagne? Pendant chaque année, rapport a écrit. Rapport a sorti, document officiel a sorti. Haïti son pays pauvre. Haïti son pays côté que, et li a alerte rouge sous li. C'est violence, c'est tout le monde. Chaque 2 heures de temps, yon haïtien mouri, etc. etc. Nous pas qu'à gérer sécurité, nous pas qu'à gérer stabilité, nous pas qu'à faire progrès économique. Mais, c'est même pays occidentaux ça yo qui créent conditions pour kembe nous dans misère, qui créent conditions pour kembe nous dans insécurité, qui conditionnent la vie peuple haïtien pour nous cohabiter à gang, que ce soit sous pouvoir, que ce soit dans quartier populaire yo, que ce soit dans les hauteurs de Pétionville, tout côté gang yo hier journée aujourd'hui. Haïti est ca autosuffisant? Nous te bagay pour nous répondre avec question grand goût dans pays nous qui ça nous yo fait yo crasé agriculture là yo vin avec yo vin avec un paquet soi-disant businessman importé avec un secteur privé importé tout ça yo vendre en Haïti c'est à l'acheter l'autre bord vin avec c'est à prendre l'autre bord vin avec nous gagne tel nous te ka produire du riz mais non yo crasé production agricole nous yo crasé production nationale nous yo crasé production du riz nous on comprend paysan nous yo pas ka faire du riz mais n'a joine du riz kap sorti États-Unis kap sorti dans le pays vin Haïti nous pas jamais poser tête nous question pour qui ça. Nous pas jamais poser tête nous question qui groupe moun sa yo kap faire l'argent ça. Nous pas jamais poser tête nous question qui groupe moun sa yo qui caché derrière derrière production nationale nous qui crasé comme ça. Même là nous t'arrivé identifier yo, nous pas font merde contre yo même au contraire, j'ai l'impression nous t'a pi vite porter bol bleu nous ba yo pour n'al mandé yo. N'al porter bol bleu, mettons ti kichoy pour nous.
Journée aujourd'hui, nous gagnons bureau des mines et de l'énergie en dedans pays. Bureau minage énergie, on a Claude Prepti qui l'a dans lit, li plus focalisé sur question tremblement de terre, parler de question tremblement de terre. Mais pays d'Haïti, peuple haïtien, pas un rapport qui public pour le connaître, qui qualité ressources nous gagne, qui quantité ressources nous gagne, qui nature ressources naturelles nous yo. Pour ta dit ou gagne l'eau, ou gagne l'eau dans telle zone, telle zone, telle zone li public. Ou gen uranium telle zone ni public, ou gen iridium li telle zone ni public. Nou gen bauxite nan telle zone ni public. Information sa yo doit public, yo pa doit nan caché. Yo a caché yo pour ki sa parce que yo gen fait deal avec entreprise étrangère. Contrat gen signé avec entreprise étrangère. Expert étranger vin faire expertise, ou comprenne vin faire évaluation, vin faire fouille. Gen machine ka fouye sous sol nou an la, y ap cherche l'or, y ap cherche l'autre minerai etc. Mais nous-mêmes, nous pas ka utiliser yo pour développer pays nous. Parce que nous semblé à misère. Parce que nous semblé avec, vous comprenez, nous semblé avec grand goût, nous semblé avec charité, nous semblé avec moun ka mande yo. Est-ce que journée jodi an, ensemble de bagay qui fait États-Unis grande puissance? Il c'est grande puissance militaire, comprendre, il gagne volume zamni, il gagne paquet l'argent investi et pour yo mettre campé yo arsenal militaire, comprendre, faire avion militaire, avion chasse etc. bailler combat yo. Nous connaît yo, moi même pas connaît tout. Nous connaît ça yo. Militaire yo connaît, ancien militaire yo connaît tout ça yo gagne. Qui côté yo al puiser ressources ça yo? Yo aller dans pays africain yo. Yo dépouiller sous sol moun yo. Yo exploiter minerai yo, yo casse bras malere malere yo, yo prend ça yo gen pays ça yo, moun yo nan grand goût, moun yo nan insécurité, moun yo nan la richè, yo pa ka manger, petit yo pied à terre, même jan nou même nou yé la journée jodi en Haïti. Le toujours dit nous pays occidentaux yo gon dan contre Haïti, pa menti hein. Premier bagay, nous rive casser chaîne l'esclavage. Alors que boutte ça que nèg yo t'a bataille pour yo te prend pour yo te conquérir là, si c'est pas nous mêmes qui t'a fait des respectants al di nous pas prêter esclaves, si boutte ça t'es toujours sous contrôle yo t'a accaparé yo sans que nous pas gon l'autre nation l'autre peuple qui relait tête haïtien là dans li, moi garanti yo t'a senti yo pi à l'aise et journée aujourd'hui si yo t'a joué nos façon pour exterminer tout. Pour yon retire, éradiquer nation sa, race sa, qui rele haïtien, yon ta fèl. Yon ta fèl, yon ta fini avec nous. Pour pays occidentaux, yon racine nous c'est en Afrique. Boutte nous c'est en Afrique. Origine nous c'est africain nous yé. Là, en Amérique, là, nous bagé place nous là. Donc, pour yon, c'est usurpé, c'est volé, nous volé boutte ça, c'est prendre nous prendre boutte ça. Donc, à tous les coups, tout ça en balle. Et ça fait après journée jodi an yo mette un syndicat créer les corps groupe yo ka continuer vin exploiter vin pran. Et si nous pas fait rien, si nous pas fait rien pour nous retirer pays à côté lié là, si nous pas bataille pour nous craser système non, ça ka passer dans pays africain yo, ça ka passer au Mali, au Niger, dans Burkina Faso, ça ka passer journée jodi an dans pays Congo, y a fait nous 10 fois pire. Y a fait nous 10 fois pire parce que nous sommes peuple qui passif nous-mêmes. Nous pas camper, nous pas groupe, nous pas bataille. Donc c'est une opportunité en plus liée pour écraser zone pour craminer nous. Est-ce que nous comprenons la réalité? Mais ça qui est beaucoup plus intéressant, c'est pendant que haïtien qui fait la sous d'oreille. Vous comprenez? Gen moun qui décide de faire mes yeux par ouais. Gen moun ki décide prend combat la guerre sous bras Jésus, dit tout à Jésus. Ou bien la guerre sous bras ça m'pa wè yo. Yo pral faire justice pour nous. Et bien gen l'autre moun, gen l'autre garçon voyant, gen l'autre femme voyant, gen l'autre haïtien qui dit yo même, c'est sous fiel yo. C'est sous fiel yo pour communauté internationale là vinn passer. C'est sous fiel yo pour Ariel ak équipe li a vinn passer parce que pays an pa carré de ça, il faut que pays an libéré. 7 février 2024 passé a. La veille le 6 février, Alidja, un pile moun konnen li, et ces derniers jours, dans la bataille révolution, li kampe dedans, li kampe tête raide, parce que lui-même,
li rete kwè avec agent BSAP avec population bataille la ka mené. Nous ka pran temps mais bataille la nous ka mené et nous ka pote bonne nouvelle. En pile moun te inquiété parce que yo te wè Alidja te nan machine 003 machine sa ki gen agent BSAP yo que nèg yo assassiné 7 février passé ya. Te gen gwo inquiétude. Eh bien Alidja li retourné BSAP retourné en bandition tout d'emblée là pa gen rien dedans. C'est coalition qui a monté. C'est plan bataille qui a tracé. C'est stratégie qui a mis en place. Parce que Ariel pense le vin rivé, Ariel pense le bon, mais. Non. Mais ça veut dire Ariel beaucoup bon. Ariel beaucoup bon. Et bataille révolution, il n'est pas campé. Nous prenons le temps de avec moi des explications que Alidja baille sur comment le sauver de justice par mes criminels le 7 février. Et comment motivation, comment mobilisation va continuer par bon côté BSAP pour continuer bataille révolution dans l'idée pour craser le système. Nous entendons et intervention Alidja qui lui-même lui a parlé avec le peuple. 7 février, moi j'ai eu un dans Bakop. Le 5 février, moi j'ai dans la ville d'Abaïtien. Et puis, comme moi j'ai dit à la population que nous avons entré dans le palais national le 7 février, nous devons monter pour nous aller pour nous prince. Nous avons quitté la ville de Cap-Haïtien pour la seule raison que nous saluons les militants, courage en pile de monde dans la ville de Cap-Haïtien qui campait flambeau bataille. Mais nous avons des gens tout en de coordination dans la ville de Cap-Haïtien. C'est faux leader. Et ghetto obtenu là, tout ghetto obtenu, c'est faux leader. Mettez les gens devant, puis vous macho, ou pas j'en mouè ou. Des téléphones de fort, des réseaux sociaux fort, des téléphones de monde qui a fait ce qui a fait cela, ou bien qui a critiqué les journalistes, qui a critiqué les gens qui ont fait gourmet. Mais en rien, Nad Marina, je ne pas rien. Et moi-même, je ne pas considérer que vous en rien. Parce que les gens qui ont bataillé, ils ont fait dans la rue. Les soldats qui ont bataillé, ils ont fait dans la rue comme un gourmet. Mais les captiers qui ont fait un problème, ils ont fait sous belle stand, sous belle CCC, c'est magouillé, filioé, mettez les peuples devant, prends balle et vous mourrez. Même pas comme ça. Les mêmes batailles avec mon soldat, soldat toujours, même campé, je campe avec eux jusqu'à la fin. 6 février, je suis Port-au-Prince. Et là, je suis Port-au-Prince. Tout le monde a remarqué dans le backup 003. Il a remarqué que je suis ensemble avec les gars dans le backup là. Effectivement, je suis dans le backup là, depuis Pétionville. Nous descendons d'Elma. Et puis, pendant d'Elma, nous sommes dans le backup là. Nous avons que Maurice Jean-Charles a passé lui-même sur la main gauche. En montant, il a passé. Même si c'était le backup là, nous avons parlé ensemble avec les journalistes, nous avons parlé avec le monde entier. D'affaire qu'on est que nous te prenons capital là, nous te prenons capital là en grand monde. Et peuple là, population, te campé ensemble avec nous. Et pour les après, vivre ça, tout le monde t'a prélé pour nous-mêmes. Mm-hmm. Et là, nous finissons monter, qu'on a nous retourné monter. Et nous finissons retourner monter. La police qui vient devant le commissariat à Pétionville là, elle a retourné le 6 février, la police commence à tirer sous population. À vous tes d'hommes. Et ça m'a dit là, quand vérifier le débat journaliste pour l'Ouest, je ne vais nouvelle là, moi je vais vous expliquer au clair. De ce bac-up là, les gens ont commencé à tirer, les petits ont commencé à tirer sur la population. Alors, pendant que vous tirez, et puis les gens, vous mettez ma signe là, de façon que vous courez la population, pour la population ne pas prendre balle. Et puis vous-même, vous êtes campé, vous ne pouvez pas faire avec la police. Les gens ont tiré en l'air. Il y a des gens protégés, il y a des gens mourus. C'est de protéger la population qui fait les gens camper comme un bouclier pour empêcher que les gens de Pétionville ne pas tomber ou pas ramasser mort par paquet parce que le commissariat de Pétionville là, t'a tiré sur la population. Ça m'a vu là, tout journaliste est nous montons et la boule nous montons, qu'est-ce qu'on va on aller. Le lendemain, si Dieu veut, on a préparé pour nous descendre. Je suis là comme ça. Et puis, je suis monté, je suis chauffé moto. Je suis derrière, pour venir prendre, pour retourner monter dans la patrouille encore, pour capable de prendre la santé, faire le 6 février, pour capable de faire encore. Et puis, c'est le moment que le chauffeur moto a pris un panne de caoutchouc. Et puis, il. Il fait que moi en retard, je vais monter à jouer. C'est là que les gars viennent chercher mon monter. C'est le moment où je me disais que les gars sont en embuscade.
pas de tirer nous, les gars pas tirer la police, les gars pas même de tirer. Ça comme ça, les gars lâche, les policiers lâchent. Les gars lâchent comme du lâchat. C'est mettre coup de sang à coup de sang. Mais t'as pas qu'est-ce qui est plus puissant? Ces soldats sont à coup de camper bataille. Après camper nos petits bouts de coin, regardez les ambous tirer, les gars, les mouvements lâchés. Mettez green dans mon gano, si vous voulez affronter les gars, mettez green dans mon gano, monsieur, n'a pas coup de sang à coup de sang, coup de sang à coup de sang, et puis ça a pirété. Ça, c'est action lâche, mouvement lâche. Policiers lâches qui permettent que peut-être que les gens tombent, c'est que pas font coup de balle même. Les gens t'ont arrêté 5 dans les gens. Les gens tirent, les gens tirent 5 dans les gens. Il y a 2 arrêtés. Les gens ont fini éliminer les gens. Et les gens ont éliminé le commissariat, ont éliminé. Je dis à là, les gens viennent faire ça, je dis que il y a un silence qui fait, pas grand qui dit. Mais monsieur, papa nous menti. 7 février, donc qui est en train Ariel déjà. Vous connaissez ça qui fait que nous ne pouvons pas rentrer pour Ariel, mouvement retardé. Mais quand vous prenez après Ariel quand même, mouvement retardé, c'est parce que gros force, le plateau central, les pilotes va rentrer, il y a des difficultés canarans. Et n'importe quand même, les pour entrer, la force population, population a devant, mais ça va derrière, n'a entré pour négocier les gouvernements. Et dans le sud là tout, c'est technique tactique pour nous comment pour entrer Port-au-Prince, n'a pas entrer Port-au-Prince. Et c'est pas dans voyer monter, n'a pas pour entrer Port-au-Prince. Et nous mandé tout, libération pressé camarades nous arabes. Dans le jour à parité arabe là, m'a parlé ensemble avec arabe. Et le cas de ça, disons même. Mettez quoi à découvert. Parce que si les gens viennent nous pas bagarre. L'autre bataille, dit monsieur, bat mettre encore dans foule. Parce que les négociants qui ciblent les gouvernements, bon. Ils disent, moi, Alidia, je dis, ah, ma vie contrôle la conia là, ma vie contrôle là. Ils disent, non, Alidia, je suis dans la ville là. Je viens parler avec Arabe dans 7h42 le matin. Et bien, je recevoir, après une heure de temps, je recevoir un coup de fil de journaliste Ilin. Il dit, Alidia, arrêtez, arrêtez Arabe. Je me dis, ah, bah, oui, mon cher, on fait ça, parler avec Arabe, arrêtez. Et puis, je dis, je me garde, moi, arrêtez. Pour qui base que les gens arrêtent Arabe? Sous qui base? Qui est fraction? Infraction que seulement peut-être que l'immande justice pour peuple. Infraction pour être immande la vie meilleure pour peuple. Infraction pour être immande pour défendre le territoire. Or, nous sommes 22 août 2022, nous trouvons ministre Emeline Prophète qui dit comme ça que tu es réclamé en plus territoire perdu. Il a dit peuple haïtien défend tête tout. Mais en vrai, si un ministre campé, il dit peuple haïtien défend tête, monsieur, défend tête avec tout son gain, qui s'en a reproché, papa? Et arabe, excusez-moi, qui a débouché Kabouche arabe? Mande commissaire gouvernement au Canada, Risson. Nous mande libération, pressé camarades, nous arabes. Et sans délai. Et l'un dit sans délai, sans délai. Nous ne voulons pas notre con en aucune autorité. Parce que même la Bible dit, respectez toute autorité qui est établie. Même pas autorité légale. Yes. Mais nous avons un gouvernement illégal. Nous avons un gouvernement illégal. Nous devons camper. Pour nous camper gourmet avec le gouvernement illégal là. Donc nous demandons commissaire. Nous demandons ensemble de policiers, monsieur, pour être professionnel. Et pas quoi gagner, pas de policiers, non, qui pas bon. Mais qu'on partit de la police là, mon cher, je ne vais pas vous problème en pile. Et je dis, moi, dans la ville de Cap-Haïtien, un gros problème qui passe hier soir. Quand que commissaire gouvernement du rang, que les policiers ont tabassé, monsieur, ils ont dit, tabassé, monsieur. Oh, si un commissaire gouvernement, pas en sécurité, commissaire du gouvernement, pas en sécurité, et nous-mêmes, peuple là, quand il m'a sécurité ça, donc c'est nous pour défendre tête nous. Et je veux dire, dans le territoire qu'on a, nous défendons tête nous, nous défendons le pays, nous défendons la position. Donc, nous avons parlé pour Ariel qui était pour 7 février, mais le 7 février, passé, Ariel Pat, qui pouvait, et Ariel semble plus confortable que avant 7 février matin. Est-ce qu'il a trouvé là pour continuer la bataille? Et si la continue la bataille, combien de temps nous allons aller? Ok. Mais monsieur, nous avons passé là, monsieur. Ouais, tout autant que pas qu'on lève campé qui fait, Ariel a fait pour moi, c'est confortable. Mm-hmm. Parce que, quand groupe là, avec les États-Unis d'Amérique, ils ont campé ensemble avec Ariel pour soucier ressources pays. Pour prendre tout ça qu'on a comme ressources, ils ont campé avec Ariel. Mais et, comment les États-Unis d'Amérique fonctionnent? Depuis où le peuple a campé, à l'aéroport campé, où c'est que l'ambassade,
on n'est pas bureau pas fonctionner toute ville de province campé peuple a campé il y a demandé monsieur racher mon yop son testier son petit bout de fil qui kembe Ariel monsieur pas ba tête comment dit son petit bout de fil qui kembe Ariel son petit booster seulement population levé campé dans tout département yo mon garantie département d'état a demandé Ariel pour racher Biel pas que kende bagaille c'est stratégique a fait c'est plus cap déplacer. Et là, nous avons une grande alliance politique qui fait. Grande alliance politique, nous connaissons. Et je dis, nous avons entré Ariel, qui est le plus qu'il donne, nous avons entré quand même dans Ariel. Nous avons délivré Béa quand même. Sachant que vous êtes commandant Bessap. Nous ne sommes pas commandant Bessap. Ok, nous ne sommes pas commandant Bessap. Mais. Ils sont garçons. Mais ils sont. Ils sont force. Yes. Okay. Ils sont compatriotes qui défendent. Dans le département, le plus souvent, Bessap a annoncé, Bessap tout côté prend la rue. Mais jusqu'à date, Pepo Kabla soif pour Bessap Tava descendre dans l'arrière. Selon vous même qui ça cause qui fait Bessap Kabla jamais atterrir dans l'arrière. Mon cher, pour m'expliquer au clair, il y a un petit groupe Bessap Kabla au Cap, il y a un monnaie, il faut me parler au clair. Et pas tout le monde. Si on 10, il n'y a pas 12. Il y a un monnaie. Et c'est ce groupe qui a un monnaie qui empêchait. L'autre boussole ta Bessap qui t'a fait bataille. Parce qu'une fois que nous mettons une traite là-dedans, dès que vous avez une traite là-dedans, tout l'autre Bessap va tomber. Vous êtes obligé de réticent, vous êtes obligé de calculer et nous avons fait calcul pour nous atterrir. Peuple a déjà fait nous confiance déjà. Peuple a déjà campé ensemble avec Bessap déjà. Donc ça crée pour nous faire un abgé pour nous faire dans le jour à final. Nous n'avons pas de jour à final. Nous n'avons pas de jour. Nous pas de jour. Nous pas de date. Nous pas de l'heure. Et c'est plus gros erreur. Que nous t'ai fait, nous t'ai dit Ariel 7 février, nous t'avons dévoilé. Yes. Je veux dire, nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas battre, nous ne pouvons pas battre. Son coup surprise qu'a gagné. Yes, garçon. Yes. Je veux dire, nous effacer tout ce qui est dans le temps. Oui. Je veux dire, là, nous demandons à tout le monde d'identifier les traits. Tout le traits n'a pas ce point. Merci, oui. C'est clair. Et, vous avez dit, trahi là, mouri là. N'a pas ce point tout le traits. Et ce que nous avons identifié sur les réseaux, nous avons identifié sur Facebook, nous avons identifié sur WhatsApp, nous avons identifié sur Instagram, identifié, écrit-nous, écrit l'adresse, parce que bataille n'a pas qu'à faire avec traite, tout traite, nous avons fait passer à l'infinitif, tout traite, nous avons fait faire ensemble avec nous déjà. Révolutionnaire Alidja, ou bien l'école, activité bloquée là, il n'y a pas à l'aider l'école, quand on joue une force pour bataille. C'est un minimum de petites paroles. Mon seul problème. Et le problème que j'ai, c'est parce que j'ai l'école qui fait que j'ai menti un petit bémol pour l'école. Si on bat avec la fête, si on bat avec la fête, que j'ai fermé tout le bagage net, qui ont fermé DGI, qui ont fermé la banque, qui ont fermé le magasin, ce n'est pas l'école seulement qui a fermé. Si on veut fermer l'école, il y a une main invisible à l'école. Parce que même la Russie qui a fait avec l'Ukraine, l'école fonctionnait. Et, vous regardez, il y a des guerres entre Israël et la Palestine, l'école toujours fonctionne. Pour ça, dans le pays, nous, l'école est même obligée de tourner un cible pour nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas appuyer ça. Si vous avez des guerres qui tout le monde qui ce n'est pas l'école seulement qui vous ferme. C'est clair. Vous avez qui fait, vous êtes capable de citer pour nous, vous êtes au courant? Non, nous ne pouvons pas avoir alliance. Vous avez une raison stratégique, nous ne pouvons pas. Mais il y a des alliances que nous connaissons dans les médias qui fait par ce traité ici et non. Mais il y a des gros alliances politiques qui fait. Pour nous renverser Ariel et nous gagner tout après Ariel, quelle sera la solution? Quelle alternative? N'a pas la cassation ou Bessap Mani? N'a pas la comme vous seul. D'être chargé. N'a pas de coup de cassation, n'a pas la coup de cassation. Tournez à l'idée au cap, ça veut dire qu'on y a là. Nous pas tourner au cap, nous tournons pour nous respirer parce que quand on est pour tout le monde, il n'est pas tellement fini en faveur moi. Parce qu'automatiquement, vous prenez arabe. Et vous connaissez le travail, vous n'avez pas fait le bois, c'est le travail que moi-même j'ai fait dans le département. Donc vous êtes obligé d'entrer dans le département là. Une fois que vous entrez là, vous tournez encore. Un soldat va contre l'état d'air. Un soldat, c'est à vous de jouer. C'est dans la bataille, nous venons camper pour une bataille contre le pouvoir et nous pouvons nous renverser le pouvoir. Et voilà. Et voilà. Et nous gagnons. Et une idée de comment Alidja lui-même, 7 février, comment il était vivre la situation après 7 février, qui ça a eu en perspective, etc. Et il y a des séries de questions très pertinentes que les reporters et les journalistes ont posées. Mais
question ça yo Alidja pour moi le bien fait pas répondre yo li bien fait pas répondre parce que stratégie bataille li pas doit public stratégie bataille li pas doit discuter sur réseau li pas doit discuter et nan mitan foule alors que gen ennemi vous comprenez gen traite adversaire alliant pas sous la target ou la chercher information la collecter information etc. Donc ça est extrêmement important et mais ça qui est beaucoup plus intéressant c'est dévouement qui gagne pour bataille en continuer courage qui gagne pour bataille en continuer pour bataille en kembe pour déchouquer Ariel Henry. Bon bagay qui clair je vous dis à nous remarquer Ariel utilise PNH utilise la police comme bourreau. Li utilise la police comme bras de fer, li bras armé li pour terroriser population, pour touyer, pour craser zo, pour maspiner peuple. Mais bon bagay ka passe à terre tout. Pendant la police accepte fè job sale pour vin camper en face population, pour faire victime dans mitan population. Pendant policier yo, c'est petite soyette yo. Pendant policier yo, c'est ti godet diri a acheté, c'est nan ti boutique là yo pral acheter, c'est là yo pral mande crédit. Pendant policier yo pa même ka toucher, pendant policier yo nan fermé kay yo pa même ka payer. Et bien journée jodi an yo oublié, en pile nan yo oublié si yo sorti nan masse peuple, si yo c'est petite soyette, si journée jodi an moun ta ki nan la rue c'est pour nous tout n'a revendiquer. C'est changement la vie nous toutes nous ouais, nous pas un petit groupe, nous pas un petit clan. Eh bien, comme policiers ont choisi de faire job ça, là, eh bien, population ont choisi, ou même, ont désolidarisé, ont totalement avec ça qu'a privé policier. Hier, malheureusement, n'a pas gardé un jeune petit garçon. Hier, il y a deux policiers qui tombaient. Youn tombé et Edelma 33, et puis l'autre l'a tombé Bostad. Jeune petit garçon, yo yé. Jeune petit garçon qui a tombé en bas bal, moun yo pas arrivé à identifier. Kap tombe en babal bandi, l'op gade sou rezo a commentaire. Haïtien, commentaire compatriote fraîche nou a fait. Se bagay tête chargé net. Se bagay tête chargé. Tellement moun yo yo apre, ju moun yo di, gen moun ki ekri, yo pa demérite l, sa poko anye, etc. Tellement moun yo, yo gon dan kote la police. Yon police ki la pou protège ak servi population, nou utilise l. Nous utilisons le compte population. Population, ça, peuple, ça qui compte camper la police dans la difficulté. Bah, j'oublie en 2019, c'était même population, ça qui était campé avec PNH. Le policier, il a demandé 15 000 gouttes sur 4 ans, 50 000 gouttes de salaire. C'est même population, ça qui était campé avec policier, il a besoin de monter syndicat. Je ne dis pas, remerciement, c'est coup de bâton. C'est coup de bâton la gen nan mouda population. C'est touye peuple, c'est PTG journaliste, c'est agresser journaliste, c'est tirer ouvri coup de balle sur journaliste. C'est ça, oui, remerciement. C'est comme ça la police choisit remercier population, oui. Mais malheureusement, peuple a choisi li même li rete campé nan bo pal, li kite policier nan men bandi. Li kite nan men bandi. Et policier tellement senti yo pran niveau, vous comprenez? Yo tellement senti yo tout puissant, tellement yo fait injustice, yo fait mon abus. Hier, yeah! Commissaire gouvernement, pomme cap haïtien, M. Durand, policier tellement maspinel, au policier en civil, l'intercation avec le commissaire, parce que le commissaire n'a pas identifié, n'a pas commencé à faire lobo pour machine qui mal campé. Et puis, policier a commencé à prendre commissaire avec soufflette. Soufflette couché commissaire, dressé commissaire, ça n'a pas suffi. On backup ta vini, commissaire pa gen chose pour parler, policier vini, yo l'ouvri ça à coup de botte. Acteur était pour yo voltiger grain dans en bouche commissaire nou bawel. Nous constat fait situation ça arrivé là et c'est pas seulement cap haïtien ça gen pour passer. Ça gen pour passer non paquet l'autre juridiction, non paquet l'autre département encore et même dans Port-au-Prince. Parce que le policier yo a fait population abus. Les policiers a malmené population, les policiers a tout pisé population, commissaire gouvernement yo qui c'est avocat né société a, qui c'est premier moun qui pour camper pour dire ouais fort gros injustice qui fait là, gros abus qui fait là, yo ferme dan yo pa jam di rien. La police a fait répression dans manifestation, commissaire Edler Guillaume
li ferme dol nan paquet al pa di anyen. Li pa di tchut. Yo pété je journaliste, li pa di, li pa mande inspection générale enquête. Li pa mande pou yo ba li pou faire suivi pou ba toute information pou le poursuivre policier criminel sa yo. Li pa di anyen. Li pa di anyen. Eh bien, journée jodi, les mêmes nèg sa yo n'ap utilisé pour craser zo population a patake nou, a maspiner nou. Nou besoin population parler pour nous. C'est sacré le karma, oui. C'est sacré le karma. Mettez-le devant. Faites-le maspiner population, mais gonjouk pa pour nous tout. Gon l'ennui, gon la brène kap mare, c'est nous, y a maspiner. Eh bien, a pas nous commencer, well. Malheureusement, même population sa, qui te prend la rue, le pou la mette krasé, te di yo, krasé la, mais ba yo la police, jounen jodi, c'est même ça nous risque, ouais. Nous risquons de jouer au full moon qui prend la route pour m'en décraser la police, bayo besap. Malheureusement, c'est là où il mène le pays. Parce que les choix de mettre PNH en face besap, tous deux c'est fonctionnaires publics, mais c'est comme ça que les criminels ont choisi de mener l'État. Donc, c'est une situation qui est vraiment difficile, c'est une situation qui est vraiment désespérée, c'est une situation qui est vraiment chaotique, mais je dis toujours une grande bagaille. Peuple qui a goûté pas jamais perdu bataille. Peuple qui croit dans goûté pas jamais perdu bataille. Nous avons une raison en plus pour nous goûter. Plus que 40 milliards de dollars à payer en tonne d'uranium. Si dans le pays Niger, par année, la France prend plus que 7 000 tonnes, on nous bataille pour ne pas venir faire nous plus mal en Haïti. On nous bataille pour nèg yo pa vinn appauvri nous plus en Haïti. On nous bataille pour nèg yo pa vinn mettre plus en sécurité en Haïti. Parce que si nous quitter nèg yo rentre vinn exploiter nous pas créer condition pour nous pousser nèg yo dehors, pour nous mettre limite, pour nous mettre bonne à action à exaction à faire journée jodi en Haïti, pita pral pitris. Pita kapitris c'est pour éviter en situation qui empire pour éviter à génération future pour porter quoi ça pour porter châtiment ça c'est nous mêmes qui la jodi c'est nous mêmes qui bataille jodi qui pour continuer bataille là et pour demain pour nous ka di nous te campé nous te font bataille nous te campé nous te font goumé nous te campé nous te mettez vagabond malandré qui a vinn passer l'ordre dans pays nous te reprendre bac là. Nous te reprendre contrôle navire là, nous te rivé mettre Haïti sur route progrès, nous te rivé mettre stabilité dans pays nous, retourner sécurité dans pays nous, refaire l'armée nous fonctionner normalement pour gérer sécurité nationale nous. Donc c'est pour ça n'a bataille, c'est pour ça nous pas faire silence, c'est pour ça n'a continuer motiver population et bien pas gè camper, c'est bataille liée et ou même en tant qu'haïtien conséquent m'a mandé une autre fois continuer impliquer dans bataille là faire ça qu'a fait faire ça que supposé fait là et pas négliger partager émission yo pas négliger abonner à chaîne là puisque là nous mêmes nous fait travail là nous fait partie par nous et ensemble n'a continuer bataille pays cela n'a mettre en bout dans l'émission pour aujourd'hui m'a invité rester connecté à chaîne là rester connecté à plateforme là pour reste programmation merci tout le monde à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Oh yeah.